prêt pour la transmission. Restez là. C'est une voiture diplomatique. La cible entre dans l'aéroport. Zhu Jianyin. Fils de ministre, si c'est pas mignon ça. Ça, c'est une cible. On le sert, point barre. Ouais, bel imbo, c'est bien la cible. Réseau de prostitution, trafic de drogue, jeux clandestins, extorsion de fonds. Il est très polyvalent, le diplomate. Diplomate et fils de ministre, il va pas prendre grand-chose. Allô? Laura? Simon? Mais t'as vu l'heure qu'il est? Je sais, pour moi aussi, il est tard. On peut se voir? J'arrive. Pour m'habiller, je suis là. Ça te va? Ouais, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Rien, t'inquiète pas. T'as repéré à l'aéroport, Zhu Jianyin? Non. L'une d'entre vous parle-t-elle français ou anglais? Bon. Vous êtes sous contrôle du service d'immigration de la police française. Si vous refusez de collaborer, vous serez immédiatement expulsé du territoire. Et remise aux autorités chinoises. Je veux pas retourner en Chine. Tu parles français? Je veux pas retourner en Chine. Tu préfères retourner dans les caves du 13e? Comment tu t'appelles? Ça te dirait de voir ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi? Tu
c'est énorme. Comment t'as fait? Merci. Je suis passé par un proxy, je suis rentré sur leur serveur, après j'ai mis les caméras en réseau. Comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez intervenir. On peut pas intervenir, elle est en territoire chinois. C'est pourri. Je pourrais avoir vos papiers, s'il vous plaît? Oui. Oui. Merci. Vous avez rendez-vous? Non. C'est à quel sujet? La prostitution chinoise. Posez-lui au moins la question, je suis sûre que le sujet va l'intéresser. Ils sont forts quand même, ces Chinois, t'as vu l'image?